Wesh la team, bien quoi? J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar. Match Europa League, match retour, qualification de l'OM pour les huitièmes de finale. Et voilà les gars. Et ouais les gars, je vais rester là, je mets tout sinon. Il n'y a que le quai d'Almir. Bon bref, on parlait du match de l'Olympique de Marseille face au Shakhtar. Vraiment l'OM, enfin vous gagnez le match, enfin vous faites un match bien. Merci Gassé. Tu nous as fait la compo qu'on voulait. Merci. Tu nous as fait le 11 qu'on voulait. Voilà, merci Gassé. Merci. T'es joué en quoi déjà? Attendez les gars, je sais même pas quoi jouer. Attendez. Bon, je vais m'en rappeler après, attendez. Bon bref, l'Olympique de Marseille, vous avez bien joué. Bien, bien. De toute façon, c'est la compo qu'on voulait, l'OM. Mais je sais plus c'était quoi la compo, mais je sais c'était ça qu'on voulait. Mais bon, bien joué, vous avez tous bien joué là. Merci Gassé, grâce à toi, on a gagné. Merci Gassé. Je regarde Gattuso, ton 4-3-3, je sais pas quoi. C'est pas ça qu'il nous faut. Hein. C'est pas ça. Que ton 4-3-3, c'est nul. On t'a déjà dit, change ta compo. On veut pas de 4-3-3. Attendez, la caméra, elle bouge. Oh, je galère à filmer. Je m'étonne, je fais avec une tablette. Tu sais comment tu veux, je vais filmer avec un téléphone, une tablette. Frère, la tablette, on dirait une tablette de chocolat, frère. Oh, elle tarpe grosse. Oh, comment tu veux filmer? Comment tu veux tenir un équilibre? Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, là pour parler de l'Olympique de Marseille. Bon, bref. Les gars, vous avez bien joué. Merci. Et d'ailleurs, je parle à Gattuso, là. Gattuso, on t'a déjà dit, cette compo, on la veut pas, ce 4-3-3. Tu vois, écoute Gassier. Lui, au moins, il a compris, il nous comprend, nous, les supporters. Hein? Nous, on veut le 5-3-2, ils ont joué un truc comme ça dans l'OM. Ah, je sais même plus. Bref. Je me rappelais peut-être après, je sais pas, mais. Je crois que c'est le 5-3-2, non? Je sais plus. Ah, ça se voit, je sais pas faire de vidéo. Ouais. Aussi, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Oh, vas-y, je bégaye. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur YouTube, les gars. Incroyable. Bon, bref. Moi aussi, tu m'étonnes, je démarre à peine les débriefs. Bon, après, les gars, aussi, je vais vous dire ce que tu as vu. Avant, je faisais des vidéos, je sais pas comment. Des vidéos de clown tueur, frère. Ouais, ça me parle même pas. Les gars, on va passer à autre chose, on va passer au débrief, les gars. Bon, bref, on est là pour parler de l'OM, on est pas là pour parler de raconter ma vie là. Bon, bref, vous avez bien joué, les gars. Au début, c'était un peu compliqué, on s'est pris un but, mais bon, l'essentiel qu'on a gagné, on est qualifié. Mais pour moi, le tirage au sort, il était fait, on va jouer contre Villarreal. Et les gars, pareil, ne soyez pas complexés contre Villarreal. Soyez bon, jouez bien, allez le point le plus loin possible en Europa League. On ne dit pas gagner la coupe, même si on veut que vous la gagniez, mais allez le plus loin, au moins jusqu'en demi, où vous voulez au moins, les gars. Mais nous, on veut la course, on veut être toujours en liste en Europe. Voilà, nous les supporters. Voilà, les gars. Les gars. Et en plus, là, il y a Montpellier, je crois que c'est dimanche, non? Contre Montpellier, les gars, s'il vous plaît, gagnez contre Montpellier. On n'en peut plus des défaites, des nuls en Ligue 1. Si vous voulez, faites-nous une victoire. Gars, s'il te plaît, garde toujours cette même compo. S'il te plaît. S'il te plaît, gars. Voilà. Mais en tout cas, merci, gars, de nous avoir qualifiés. Merci, gars. Voilà. Bon, ça fait très longtemps que j'ai plus de vidéo. J'ai plus fait de vidéo. Bon, bref, voilà. Vraiment, Jonathan Clauss, je trouve, là, il était plus sur son match. Là, ça va. Parce que lui, il pense qu'à l'équipe de France, à l'Euro. Mais attends, mais je t'explique le sang. T'as l'OM aussi. Je te signale, t'as un contrat à l'OM. Hein. T'as un contrat à l'OM, t'es pas. Je sais pas où là. Oh, t'es professionnel, hein, le sang. Hein. C'est ton travail de jouer. Hein. Bon, bref. L'essentiel, tout le monde s'est donné à fond. Voilà, les gars. Bien joué. Pareil, Kondogbia. Oh, pour une fois qu'il marque ce mec. Oh, le mec, il a jamais marqué. Oh, pour une fois qu'il marque Kondogbia. Pour une fois qu'il marque ce mec. Oh, Kondog but. Pour une fois qu'il marque. Enfin. Enfin, l'OM qui se réveille. Aubameyang. Aubameyang. Ok, tu as marqué tout ça. Mais par contre, c'est pas que en match de Coupe d'Europe, il faut marquer aussi. Il faut jouer à fond. C'est aussi en Ligue 1.
T'as vu combien il y en a de la Ligue 1? Frère, Lyon, je crois qu'ils sont à 2 points de nous, je crois qu'ils étaient derniers, eux. Les gars, au bout d'un moment, en Ligue 1, faut se réveiller. Et toi aussi, Aubameyang, réveille-toi en Ligue 1 aussi. C'est pas encore en Europa League qu'il faut faire ça. Allez, les gars, donnez-vous à fond. Dimanche contre Montpellier. Allez. Et d'ailleurs, les gars, le match aller contre le Villarreal en Europa League, c'est le 7 mars, je crois. 7 mars, ouais. 7 mars. Voilà, les gars. Et pas les gars, il y a un truc qui me casse les couilles. Enfin, désolé pour le mot, pour le terme. Les gars, je me suis fait voler mon téléphone. Et ouais, dans ce lycée, là, dans ce lycée. Que des vols dans ce lycée. Et ouais, vous connaissez. Hein. Mais bon. Oh, je me suis fait voler mon téléphone, mes AirPods. Encore mes AirPods, je ressemble à les récupérer, mes AirPods. Ils sont là. Oh, et je me suis fait voler mon téléphone. Incroyable. Oh, je serais juste à me péter les plombs. Voilà. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus de vidéo. À cause parce que j'ai plus de téléphone. Ça casse les couilles. Bref, mais après aussi, je fais une pause aussi. Voilà. C'est pour ça que je fais avec la tablette. Voilà la tablette. Bon, ça me dérange pas, mais bon. Comme elle est un peu lourde, tu tiens avec une main. Du coup, c'est un peu compliqué. Hein. Et ouais, compliqué de filmer avec une tablette et une main. T'as qu'à voir, ça bouge. T'as qu'à voir. En plus, je mets tout. C'est là qu'il y a la lumière, on peut te voir. Que si je me mets là, le problème. Sur la table, quoi, il n'y a pas la lumière. Comment tu me vois? Voilà, là, c'est parfait. Bon, bref, l'Olympique de Marseille, allez. Gagnez-moi ce match. Allez, contre Montpellier. Allez, on compte sur vous. Ne lâchez rien, l'Olympique de Marseille. Allez. Allez, les gars, lâchez rien. S'il vous plaît, les gars, réveillez-vous en Ligue 1. Gars, s'il te plaît, réveillez ces joueurs. Réveillez-les. Surtout Jonathan Clauss. Jonathan Clauss, il pense que l'équipe de France, lui. Réveille-le, Jonathan Clauss. Réveille-le, Jonathan Clauss. Dis-lui qu'il n'oublie pas qu'il a l'OM, au seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Dis-lui ça. Lui, il connaît pas le club, il ne connaît pas nous, les Marseillais. Il connaît pas notre histoire, lui. Il croit que Marseille, c'est. Attention, le RC Lens, c'est pas une critique que je vais vous faire, je vais pas vous insulter. Juste, c'est pour. Comme ça. Attention, ne prenez pas mal, Lens. Juste pour dire quoi. Alors, Jonathan Clauss qui n'est pas au RC Lens, je sais pas où là. Le qu'il a loin, la seule à pouvoir gagner des champions. Ne n'inquiétez pas, le RC, je vous insulte pas. Moi, j'insulte des gars. Respect à tous les clubs. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Mais l'OM, s'il vous plaît, réveillez-vous. Et par contre, les gars, Monaco sont doués de se faire racheter par la. Bon, attends, on va pas parler de ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. C'est bon, on va pas en tout mélanger. On est là pour le débrief. Parce que je raconte ma vie, je raconte mon vol de téléphone, je raconte je sais pas quoi. Non, au départ, je parle du débrief du match. Voilà. Les gars. Bien joué. Bon, bref, les gars, je vais vous laisser là. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Et maintenant, les gars, on va se lancer que dans les débriefs maintenant. Voilà. On va parler que de l'OM, des trucs comme ça, voilà les gars. Bon bref les gars, et mettez un commentaire comment vous avez trouvé ce match, comment vous avez trouvé la nouvelle compo, comment vous trouvez le nouvel entraîneur. Voilà les gars, dites-moi. Voilà, les gars, sur ce je vous laisse. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao les gars. Allez. Ah pourquoi ça veut pas s'éteindre?